jeune République se trouve immédiatement assaillie par de graves difficultés. En octobre 1934, une coalition des droites écrase le mouvement populaire des Asturies avec l'appui de la Légion étrangère et des Marocains. Les partis de droite demeurent au pouvoir jusqu'à la fin de la législature, soumettant l'Espagne à un régime autoritaire. Février 1936, élections législatives. Les femmes participent à la campagne électorale et votent en grand nombre, y compris les religieuses. Les partis d'opposition groupés dans le rassemblement du Frente Popular, Front Populaire, remportent une écrasante victoire. 263 députés au Cortés contre 200 au parti de la droite ou du centre. L'Argo Caballero, leader du Parti Socialiste, se rend à une des manifestations populaires qui salue la victoire électorale du Front Populaire. Un gouvernement de Front Populaire se constitue et commence l'application du programme du Front Populaire. Réforme agraire donnant aux paysans des droits équivalents à ceux que la révolution de 1789 avait accordés aux paysans français. Le gouvernement décide la création de 10 000 écoles. Il met au point les droits sociaux, lutte contre le chômage, réforme la justice, reconnaît les nationalismes basques et catalans et vote l'amnistie. On voit ici la cérémonie de la libération de M. Companys à Barcelone. Avril 1936, devant M. Ajania, président de la République, les troupes et les généraux prêtent serment à la République. Les généraux Mola et Queipo de Llano. La position géographique de l'Espagne, sa situation dans la Méditerranée, ses colonies et ses îles, devaient en faire un pays prospère. Mais des passions partisanes et des intérêts intérieurs et extérieurs s'apprêtaient à compromettre la liberté de son développement. Et le 17 juillet, la direction des généraux Franco, Cabalena, Mola, Queipo de Llano. Un mouvement insurrectionnel éclate au Maroc espagnol et prend pied dans le sud et le nord de l'Espagne. Des armées entières de Marocains et de légionnaires passent le détroit. Miranda, chef des milices fascistes. Le général Queipo de Llano, du haut du balcon de l'hôtel de ville de Séville, commence la série de ses fameuses harangues. Doté d'un puissant matériel de guerre qui n'est pas entièrement espagnol, les troupes partent pour le front. Dans le pays conquis par les insurgés, une police rurale composée des propriétaires terriens est chargé de faire respecter l'ordre. À Madrid, la révolte militaire est immédiatement réprimée. Il en est de même à Barcelone, où de violents combats se livrent. L'opérateur a pu saisir quelques vues de bagarre. Première marque de la guerre. Partout, à l'appel du gouvernement républicain, les volontaires s'organisent pour résister à la pression de l'armée rebelle. Pologne encore mal équipée, insuffisamment instruite,
qui seront les noyaux de l'armée nationale républicaine. Dans les gares, des foules enthousiastes saluent le départ des volontaires pour le front. La flotte, sous la direction de ses officiers, tombe au pouvoir des insurgés. Et quelques jours plus tard, le gouvernement de Madrid reçoit des radiogrammes annonçant la fidélité des marins à la République. Le torpilleur Churruca canonne un hydravion. Insurgés s'efforcent de s'assurer le contrôle de la frontière française. Les forces du général Mola attaquent Irún et Saint-Sébastien. Les milices basques ayant fait sauter les ponts, c'est par les guets des rivières et les cols des montagnes que les insurgés se frayent un passage. Un puissant matériel de guerre destiné à leur assurer la suprématie. Un blindé des gouvernementaux qui enraya pendant 15 jours l'avance des Marocains. Une contre-attaque des miliciens basques. L'un d'eux tombe blessé devant l'appareil. Disposant d'un armement supérieur, les insurgés repoussent peu à peu les milices basques. Précis incendie la ville. Et les derniers habitants fuient par le pont international. Les forces insurgées réussissent enfin à pénétrer dans la ville en ruine. Dernier défenseur derrière des murs, dans une barque sur la Bidassoa, derrière un champ de maïs, manque de munitions. Ils doivent abandonner la lutte et se réfugier en territoire français. Et Irún continue de brûler, toute la nuit. À la gare d'Andaye, l'exode pitoyable des habitants d'Irún, parmi lesquels des prêtres qui ont fui devant les insurgés.
dernier train venant de France ne franchit pas la Bidassoa et est refoulé sur Hendaye. Par les trains, les bateaux, afflue la foule misérable de tous ceux qui fuient devant l'armée du général Franco. De Traverset, de l'intransigeant, fusillé. Louis de Lapré, de Paris Soir, abattu par un avion italien. Mais un nouveau gouvernement englobant tous les partis, toutes les organisations républicaines se forment sous la présidence de Largo Caballero. Il a pour tâche d'organiser la défense du territoire, la victoire de la République espagnole. Tout le pays travaille à un rythme accéléré. Les services sanitaires sont l'objet de soins particuliers. Il a fallu procéder à l'organisation des trains, des ambulances, des hôpitaux. De nombreuses organisations internationales ont tenu généreusement à s'y associer. Les écoles continuent de fonctionner. Les enfants des régions envahies trouvent auprès de leurs camarades un réconfort amical. Les trésors artistiques de l'Espagne ont été mis à l'abri de la destruction et sont gardés par des miliciens à baïonnettes au canon. La direction d'instructeurs qualifiés se crée l'armée nationale républicaine, dont les bataillons partent chaque jour renforcer le front gouvernemental. Thank you.
Société des Nations devant M. Eden, délégué de la Grande-Bretagne, le gouvernement espagnol proteste contre la violation du pacte de non-intervention et demande l'application du droit international. M. Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères de France, défend avec M. Eden la politique de non-intervention. D'autant plus redoutable que dans certains esprits, une crise de découragement et de scepticisme met en cause l'efficacité de la Société des Nations. Notre premier devoir est de rétablir la confiance. M. Alvarez del Valle, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, prend la parole à son tour. Le gouvernement espagnol représente et symbolise est la cause de la paix. Cela peut sembler un paradoxe cruel, mais c'est pour cette cause que d'un bout à l'autre de l'Espagne se battent tous ceux qui sont décidés à mourir plutôt que de se laisser arracher par la force et par la violence, leur foi dans la démocratie et la liberté à l'intérieur, et aussi leur ferme adhésion à la paix comme règle suprême de leur action à l'État. L'Allemagne et l'Italie reconnaissent le mouvement insurrectionnel du général Franco et envoient leurs ambassadeurs à Burgos. Königsberg, qui s'est fait une certaine réputation sur les côtes d'Espagne. La flotte italienne cingle vers les Baléares. Ils passent en revue leur puissant matériel de guerre. Matériel qui trouve son utilisation en Espagne. Gouvernementaux insuffisamment armés luttent avec acharnement sur tous les fronts. Mais l'armement des insurgés a raison peu à peu de leur résistance. Au pouvoir des généraux. Non pasarán, ils ne passeront pas. Mot d'ordre célèbre de Madrid. La passionaria, députée au Cortés, parle à Paris dans un meeting de solidarité. La lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia. Solidaridad. Des milliers de combattants de différents pays viennent se grouper dans les rangs de la fameuse colonne internationale. L'arrivée d'un bataillon dans les rues de la capitale espagnole. Un meeting en plein air salue les combattants. Durruti, chef de la colonne catalane, 20 minutes avant sa blessure mortelle.
Weber, général de la Brigade internationale. Le Conseil de défense de Madrid, dont le général Miaja est l'animateur. Largo Caballero, président du Conseil, et Alvarez del Valle, ministre des Affaires étrangères, visitent le front au nord-ouest de Madrid. Devant eux, une attaque des gouvernementaux aboutit à la prise d'un village. D'autres points du front, c'est maintenant dans la neige que se déroulent les combats. Madrid est devenu le Verdun de l'Espagne. Comme à Verdun. Attaques massives, bombardements intensifs, armements gigantesques. Chaque rue doit être une barricade, chaque maison une forteresse, a dit le Conseil de défense de Madrid. Les enfants et la population civile s'emploient activement à la réalisation de ce mot d'ordre. No pasarán, ils ne passeront pas. À quelques kilomètres, les lignes de défense de l'armée républicaine. Une auto mitrailleuse gouvernementale en dehors des lignes. Un soldat républicain vient d'être blessé. À la Casa del Campo, le bois de Boulogne de Madrid, les tranchées, la guerre. Les parents sont venus aux premières lignes visiter le fils qui les défend.
une patrouille en reconnaissance. Franchir les lignes de défense, les insurgés ont recours à l'aviation pour s'attaquer à la population civile.
Quand donc se terminera cette monstrueuse guerre qui met en péril la paix de l'Europe ?